Moi, un habitant d'origine Katbonne, jusqu'à l'âge 20 ans, moi, j'habite là-bas. Après ça, moi, j'ai fait études. Études, comme beaucoup jeunes, moi, j'ai fait mauvais études parce que papa et maman, tu voulais me faire ingénieur. Moi, je suis content ingénieur. Après un an, moi, j'ai réalisé pas bon. Et là, moi, j'ai fait botanique. Et papa, tu as un peu sa grain, maman, tu es bien content. Et moi, je reste Cape Town pendant bien longtemps. Et nous, on rentre Maurice 1984. Et à partir de 1989, nous, on commence à faire pousser des plants contre nous, avec idée pour vendre. Moi, nous, on commence avec un jardinier, les mêmes qui font tout. Moi, je suis là pour travailler à l'époque. Après ça, quand il vient un peu plus gros, mon madame, il occupe également et nous ne prenons plus beaucoup de jardiniers. Jusqu'à aller, nous finissons Petit Raffré. Petit Raffré est beaucoup plus grand. Il est à peu près 4 fois ce qui me tient à l'autre côté. Et à l'époque-là, là-bas, pépinière était dans mon propre jardin. Des gens venaient, ils rentrent dans nos jardins pour y rester. Aujourd'hui, nous sommes séparés, pépinière séparée avec nous la case. Et nous finissons construire au fur et à mesure. Hein, nous commençons avec un petit peu. Après, nous faisons la serre, nous faisons une ombrière parce qu'il y a un plan qui compte en l'ombrage, le soleil tire à frais bien fort. Après, il y a un plan qui n'est pas content de l'eau et fois, nous gagnons une semaine de l'eau, la pluie. Tout le plan est pourri, donc nous faisons la serre plastique et dedans, pas gagner de l'eau. Si nous voulons gagner de l'eau, nous faisons rose à l'intérieur. Dedans, nous mettons tout cactus, un coussin belle-mère. Bonne succulente, bonne plant rose du désert, bonne plant qui n'est pas content de l'eau. Donc à l'aller, après ça, on commence à mettre un système d'irrigation. À côté, on peut avoir la rose plant là, avec la main qui est l'arrosoir. Donc maintenant, nous sommes assez sophistiqués. Après, bien sûr, nous avons pour gagner un système informatique qui peut aller en ça. Mais encore une fois, nous avons une structure qui, plus aller, plus il peut grossir. Pendant longtemps, nous avons fait un plan surtout décoratif. Là, depuis COVID, nous avons réalisé qu'il y a un plan décoratif bien joli, mais ce n'est pas pour nourrir nous. Et moi, je me rappelle toujours, mon maman peut dire à moi, pendant la guerre, quand le bateau n'était pas capable de venir à Maurice à cause du sous-marin japonais, tout Mauricien tibisin commence à planter manioc, arouille, patate, soussou, papaye, bref. À l'époque-là, je suis un petit peu résilient, lourd, nourriture. Ben, avec COVID, moi, quoi, beaucoup de gens ont réalisé qu'il n'y avait pas un problème pour le bateau venir à manger. Donc, beaucoup de gens sont intéressés maintenant pour faire des affaires capables de manger. Alors, intéressant parce que depuis COVID, comment dire, les gens comprennent l'importance de la terre. Et moi, je suis bien content parce que trop longtemps, des gens qui peuvent éloigner la terre, des gens qui peuvent honter la terre. Moi, j'ai des jardiniers qui, quand je trouve un lever, je dis, moi, monsieur, il y a un lever, besoin de touiller. Mais lever, c'est ça même qui plie bon dans la terre. Donc, nous sommes trop éloignés. Là, nous pouvons pour revenir la terre. Et bien, Zénès, vous voyez, tout le temps, le téléphone existe, chat. Je suis bon, découvert comment, quand on plante un lagrin et que ce lagrin-là germe, quel plaisir vous gagnez. Pour tout ce lagrin-là germe, tous les jours, il vient un petit peu plus grand. Et jusqu'à qui, disons, si vous plantez un haricot, il commence à donner un haricot. Et là, vous connaissez, vous pouvez manger ce que vous pouvez produire vous-même. Vous n'avez pas besoin de la côte supermarché à acheter toutes les affaires qui sont souvent importées. Donc, moi quoi, l'air invini pour Mauricien comprend, ça la terre là, ça même tout nos trésors, ça, tout ce qui nous mangeait sous le depuis la terre. Souvent, Timoun, quand on fait l'acheter plan pour notre jardin, je suis content, c'est qui peut fleurir. Et ce qui peut fleurir, bien souvent, c'est une fleur saisonnière. Je fleurit beaucoup, mais je gagne
NTP les temps pour vivre. En un an, j'ai fini pousser, j'ai fini fleurir, j'ai fini faire la graine. Donc, ça va me prendre un autre mot vite. Et souvent, client capable, sa graine découragée, j'ai acheté une fleur comme un zinia, comme un guinda. Et après ça, ça prend la mort assez rapidement parce qu'il n'y a pas un plan permanent, il y a un plan saisonnier. Donc, il faut faire attention. Malheureusement, j'ai même plus joli. Et si vous n'avez pas une grand-chose dans le jardin, ça même qu'attire ou plie bien, plie beaucoup. Quand on va acheter une plante saisonnière, normalement, il peut dire à peu près 3 mois. 3 mois, 4 mois. Seulement, ce qu'il est capable de faire, si vous voulez, qui vous garde plus longtemps, ou ramasse la graine. Quand il fleurit, ou au début, ou casse le fleur. Plus ou casse le fleur, plus il peut fleurir. Mais à un moment donné, on décide, maintenant, on laisse-les faire la graine. Et là, on laisse-les faire la graine. Quand il finit fleurir, on ramasse la graine. Et là, on replante la graine. Là. Et la saisonnière qui est pour l'hiver et la saisonnière qui est pour l'été. Mais dans Maurice, disons, ben, guinda, on est capable de planter toute l'année. Zinia, on est capable de planter toute l'année. Mais si vous voulez planter ben, gueule des loups, on vous implante les début l'hiver. Si vous voulez planter ben, delphinium, vous implantez début l'hiver. Et dans ce plan, vous implantez début l'hiver. Pendant longtemps, tout ban dimoni qui peut servir d'icelle chimique. Maintenant, nous pouvons réaliser que quand nous servons d'icelle chimique, nous touillons la terre. Nous touillons toute la vie qui est dans la terre. Là. Donc, dimoni peut revenir l'eau fumier et l'eau compost. Fumier, compost, les pas zis nourrit la terre. Là. Ils mettent la vie dans la terre et ça, la vie là, bien important. Pour qu'il plante la pousse bien. Alors, quand Dimoun amène plante que d'autres, il y a une fois, il y a beaucoup de tracas capables de gagner. Hein? Et dans un dîner, quand il y a des plants là, il y trouve, comment dire, plants là, il est trop bousé. Alors, qu'ils ont fait? Ils ont mis lui en bas la terre et ils ont, comment dire, en terre lui et ils ont bloqué cela haut pour ne pas bouser. Mais ils ne sont pas capables de faire ça avec un plant. Si vous faites ça avec un plant, vous pouvez touiller, vous pouvez trangler, vous pouvez empêcher de respirer. Donc, première affaire, vous avez ce plant-là, vous fouillez un trou, vous mettez ce plant-là, ce niveau plant-là, c'est le même niveau qu'il a terre. Il faut des paliers en bas. Ça, c'est un l'erreur. Maintenant, il y a des gens qui touillent ce plant parce qu'ils sont tellement contents de ce plant-là, ils ont arrosé, ils ont une madame anglaise, ils tiennent un petit bébé. Il peut nourrir ce bébé là tous les 3 heures de temps. Mais il fait pareil avec ce plant. Vous n'êtes pas capable d'arroser un plant tous les 3 heures. En général, vous arrosez ce plant là, vous laissez la terre là sec, l'étant la terre sec, les là vous réarrosez. Et souvent, vous touillez un plant parce que vous donnez trop beaucoup d'eau. Trop tiguine d'eau là, bien rare, vous touillez un plant. Avant l'imo, il poulet se connaît depuis bien longtemps. Se feuille pour larguer, se branche pour larguer, ou une finie comprendre, il y a un stress. Mais trop d'élo, au contraire, quand sa racine commence pourrie, lui aussi, il peut gagner sa symptôme qui lui peut flétrir. Il est là où il a besoin d'un lien encore plus d'élo. Et où il peut compliquer sur la vie plus beaucoup. Donc, d'élo là, il en fait bien même. Bien important que tout Mauricien comprend que fumier n'est pas une affaire sale. Qu'il ne faut pas gagner honte, attraper fumier, gagner honte, travailler avec fumier. Fumier, c'est ce que la nature gagne l'intention de nos amis. Bon Dieu, pas une faire sel chimique. C'est les hommes qui ne font sel chimique. Par contre, bon Dieu, c'est qu'il ne fait. Il fait tous les animaux gagner excréments. Et ça excrément-là, il vous servir pour raisonner à la terre. Donc, nous pouvons imiter la nature. C'est ça qui est important, je comprends. Nouvelle technique,
nous pas sans la terre, nous ajoutons la terre. Même si vous voulez demain commencer une plate-bande dans sa gazon là, c'est qui bande technique, je vous dis, puis c'est la vie, ou alors de carton, et vous mettez carton là, dans sa gazon là, les poutou gazon. Dans sa carton là, les là où mettre la terre, compost, feuille, c'est qui vous voulez. Vous comprenez? Mais de plus en plus maintenant, n'est plus pas servi, ça va une vieille méthode à côté nous mettre un tas de sel chimique dedans. Il n'est pas bon du tout ça. Mon camarade appelle moi content flair, parce qu'il dépit toujours mon content jardin, mon content flair, mon content plan. Mais qui fait mon content flair? Mon content flair parce qu'un flair, d'abord c'est la perfection. Un flair, on ne peut pas faire les vins plus jolis qu'il était. Et un flair, il riaou. Un flair couleur orange, couleur jaune, il riaou. Un flair couleur blé, il repose. Un flair couleur rouge, il excite tout. C'est pour ça, rouge, c'est couleur ban rose, rouge, c'est couleur l'amour. Parce que sa couleur là, il affecte au mood. Sa couleur est dans son utilité. Couleur vert, c'est le calme. Couleur blé, reposant. Couleur jaune, périller, soleil, etc. etc. Hein? Donc, il est bien important, couleur dans la vie. Ensuite, dans la case aussi. Ou pas pourquoi pas, amène toute qualité plante, toute qualité flair dans la case. Mais il y a un flair qui n'est pas content soleil, d'autres poussent dans le sous-bois, ben, en général, ça flair là, ou capable d'amener mettre côté. Ça fait la problème. Ensuite, ou capable amène la nature aussi, côté en bas ou la varangue, ou capable de gagner une peau avec une décoration flair là, ou capable de gagner une. Meubles en bois, en rotin, ben des affaires naturelles. Quand nous rentrons dans la case et qu'ils nous les amènent plein dans la case, malheureusement, flair lit seulement un petit bout de l'étang. Nous capables amènent lit. Un dîner, une la journée, un week-end, des affaires comme ça. Mais pas capable de garder un plan, faire les fleurs dans la case. Donc, plan-là, il besoin d'un feuille. Feuille tini. Maintenant, ça aussi, il y a un petit problème parce qu'en général, plus feuille-là jolie, plus il n'est pas content la case. Et bien souvent, c'est un plan qui n'est pas joli, qui fait très bien dans la case. Un petit peu de compensation, moi, je suppose. Mauvais nature, quand vous mettez une plante dedans, il ne faut pas ou n'oublier lui aussi. Bon, ce feuillage, si vous voulez faire feuillage là, restant trop la poussière, vous servez un siphon et vous trempez le siphon là dans le lait et vous passez l'eau sur le feuille, pour faire feuille la vigne propre et en général, il fait la vigne un peu brillant. Maintenant, dans ou pot, vous capable de mettre au fumier. Là-haut, pas de problème, mais vous êtes capable de faire ce qu'on appelle dité en fumier. Dité en fumier, c'est simple, vous prenez n'importe quoi, une vieille chaussette si vous voulez, vous remplissez avec fumier, vous mettez le trempé dans un bol d'eau et vous laissez le là pendant, disons, 3 jours. Après 3 jours, ça dit le line vient couler à dité et il y a un fertilisant organique. Bien comme on disait, et où c'est ça dans le bon plan, ou arroser, faire ça, et je suis content. Mon bon connaissance, je gagne ça beaucoup sur Internet. Je passe pas mal de temps sur YouTube, c'est plus facile. Et. Tout ce qui ou les connaît, leur plan, ou capable de gagner ça sur YouTube. Peine n'a rien qui peine. Donc, moi, m'encourage tous à dîner, tout le monde qui est intéressé, à leur YouTube.
pourquoi pas faire ce qu'ils appellent purin banane. Purin banane, ou acheter banane, ou crasotte dans le mixeur, ou mettre de l'eau, et ou arroser dans le bon plan, pour faire le bon plan là, fleuri. Si vous voulez faire les vins plus bons, ou mettre kéfir, ou mettre yaourt. Ça kéfir là, il remplit ce qu'on appelle probiotique. Donc, quand vous mettez ça dedans, l'immense banane là, et il fait elle plus assimilable à bon plan. Vous connaissez, dans Internet, vous pouvez gagner tout ce côté académique, ce côté théorique. Mais une fois que vous gagnez ça, dès là, vous pouvez mettre la main dans la pâte et vous trouvez qu'il est massé. Et il y a une technique pour faire pousser, aujourd'hui, j'ai servi quelque chose qu'on appelle biochar. Biochar, c'est simplement biological charcoal. C'est savon et ou actively. Les là, les vins biological charcoal. Moi, je trouve ça sur Internet, premier coup. Après ça, je me dis comment faire ça biochar là. Qui sont ces histoires? Plus ça allait, je comprends. Résultat, les courses, nous finons faire nos propres biochar contre nous. Et nous finons servir nos biochar. Et nous trouver résultat quand nous servons ça, top. Donc, capable d'apprendre, mais bizarre de mettre la main dans la pâte. Vous connaissez, ou pas apprendre comment greffer un plan, mais tant qu'il vous passe à faire lui ou même, et premier coup, ou pas pour réussir, l'autre 10 ou pour réussir, un dé. Mais plus vous gagnez l'habitude, là, l'autre 10 ou réussir, oui. Moi, jamais, je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Je fais ce qui me content. Et ça, pour moi, c'est le secret. Hein? Je ne travaille pas aucun jour dans ma vie. Je fais ce qui me content. Et je peux faire 10 personnes qui travaillent en moi content de ce qu'ils ont travaillé. Parce que je trouve quand je prends une boutique, ils gagnent des racines. Ben, la vie me dit, monsieur Guetti, il peut gagner racine. Ben, bien sûr, il faut gagner racine, mais il est formidable. C'est le miracle de la vie. Souvent, je vous dis à moi, est-ce qu'il faut cause et qu'il faut flair? Je réponds, je ne veux pas causer avec mon flair. Je écoute mon flair à causer. Parce que tout ce qui flaire là, ça qui flaire là, l'hypédéo, c'est vraiment faudé ou réceptif pour comprendre. Il n'y a pas un langage avec des mots, mais il y a un langage si vous trouvez l'hypépousse bien, si vous trouvez l'hypéflétrie, si vous trouvez il y a un problème. Et là, du monde, moi, je vais choisir pour mettre bambou rouge devant mon porte parce qu'ils m'ont bien content lui. Mais je ne suis pas capable de mettre n'importe quoi là. Je ne suis pas capable de mettre hibiscus, je ne suis pas capable de mettre n'importe quoi. Seulement, ou choisir ce qu'il voulait. Bien sûr, plan qui content beaucoup d'eau, ou pas grave mettre à côté d'un cactus. Parce que soit cactus pour gagner trop d'eau, ou plan là, pas pour gagner assez d'eau. Donc, ou choisir plan qui content d'eau, mettre ensemble, ou choisir plan qui pas content d'eau, ou mettre l'autre ensemble. Plan qui content soleil, aller dans soleil. Plan qui content l'ombrage, aller dans l'ombrage. Et souvent, il est arrivé, ou conseille un client ou qui a dit ça, bien dans l'ombrage, et dans le côté après ou tout ça en plein soleil. Après, il dit où il n'est pas plus poussé. Mais naturellement, il n'est pas plus poussé. Tu dis où mettre ça dans l'ombrage ou mettre ça dans le soleil. Donc, ou capable de mettre ce qui voulait à copuler. Pendant une affaire fixe, faire telle façon, une seule couleur, tout ça. Seulement, respecter ce qui prend la vie. Si vous respectez ce qui dit, vous avez donné ce qui est où ça. Vous connaissez longtemps, dis moi tu peux travailler la terre tu peux nourrir autre bien. Je dis une récit en faisant enfants faire ma belle belle étude de notre pays. Je deviens docteur, je deviens avocat, je deviens architecte, je deviens grand dimoun. Et je suis bien content pour nos pays. Nos pays n'ont avancé.
mais ça pas empêche ça, retourne à la terre et a gagné sa plaisir qu'ils ont parents et que grands-parents tu peux gagner. Moi, un de mes grands camarades, un ben plus grand du monde dans Maurice, l'eau orchidée, c'était Dr Majid Kadarou. Lili tient dentiste, mais sa dentiste la peine empêche lui occupe orchidée tellement bien qu'il dernier coup lui dit à son mari, dentiste là, un prétexte. Si à tout mon compte en orchidée, mon travail dans mon orchidée. Donc, pas croire parce qu'il ou un grand dimoun ou pas capable à le piocer, à le planter. Et ça, ça même qui nous dit. Hein? Et quand vous produisez quelque chose ou propre la main, sans engrais, sans pesticides, une belle satisfaction et où la santé bien. Moi, mon petit-enfant, 4 ans, je vous raconte votre vie. Mon petit-enfant, 4 ans, il vient ici. Il reste ici 6 semaines. On dit, nous pouvons planter 4 lagrinzina. Il met 4 lagrinzina dans un petit pot. Il plante lui-même, il remplit un petit pot la même, avec cela même, il met 4 lagrins. Après 3 jours, la graine a commencé. Mais dis-moi, pas tout. C'est à pousser. Il gagne 10 laitons, plante la fleurie avant les aller. Mais ces enfants-là, moi, une fille sème ça la graine, l'agriculture là dans sur la tête. Vous comprenez? Et l'in content, chaque fois qu'il me montrait s'aimer, planter avec mes enfants, les enfants là contentés. C'est adulte qui nous gagne et n'a pas de problème pour régler le monde.